J'espère que tu la règles cette game, hein. Non, c'est pas grave. J'avoue que mon monteur, il... tous les jours, il me dit, faut que tu fasses du Fortnite, on a plus de contenu. Donc en ce moment, c'est Flashland Fortnite. Surtout à Flashland, Fortnite très peu, mais je vais reprendre un peu. T'as fait Et déjà quoi solo carry, tu d'autre? vas les faire en mode fun ou Oh, je fais tu pas vas pas moi les du tout les compètes, faire? hein. Eh gros, moi je travaille toute la journée, le soir j'ai juste envie de chill, hein. J'ai pas envie de faire des FNCS, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, t'es censé jouer pour te détendre et pas pour stresser. Oh bah nice hein. Mec, contacte à moi, je sais pas où il est. Il a arrêté de bouger d'un coup, pas ça. Ah mais t'es contacté à un mec toi. Ouais. Moi j'ai AR, hein, c'est tout ce que j'ai. Je vais mettre des... Je vais mettre des faux mois partout. Crac, un HP. Ah. T'as des balles de PM pour moi? J'en ai plus qu'une. Il y a un barrette sur le terrain, je vais aller le chercher. J'ai que des famas, hein. Moi j'ai pas de pompe mais j'ai un snipe. Il est où le pote du mec qu'on a tué par contre? Il courait vers là-bas, il doit être. Oula, oula. Elle est là. Ah vu. Attends, j'ai pas de ligne pour t'aider. J'avance. Oh, mais c'est pas. C'est une équipe entière ça, non? Ah, On rentre par l'autre. ouais. Aïe aïe aïe. Xined, je sais pas quoi. Oh, j'ai Ah, le big. T'as seum. resté le mec en solo, ouais. Ouais, je le vois seul depuis un petit moment. Il est où le mec solo? Il a fait le tour, il est parti prendre la carte de son pote. Oh là. Toi, genre, avec le ramadan, tu vois quelqu'un manger en stream, ça te fait quoi? Le live. Ah ouais? Ouais, instant. Parce que d'ailleurs, j'ai demandé. Enfin, genre, tu sais, j'ai enlevé ma cam pour manger, tout le monde me disait non, mais t'inquiète, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Non, 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 il dit ça par gentillesse ou quoi que ce soit, mais. Ah, c'est quoi le but? Tu vois, t'es en train de mourir de faim. Pourquoi tu regarderais quelqu'un manger? C'est vrai que je l'ai pas fait tout à l'heure, j'ai cut la cam quand j'ai mangé. C'est respectueux, mais après, tu devrais pas changer ce que tu fais en stream par rapport aux musulmans de ton live, tu vois. Il y en a, c'est Bah pas si, c'est du respect, 100% des gens, genre. tu vois. Et Non, mais après, alors? s'il faut respecter toutes les religions, Bah je respecte toutes les t'es religions. pas sorti, hein. Attends, le jour de. C'est quoi la fête chez les juifs où ils mangent pas toute la journée, ils mangent. Ils Bah jeûnent si. aussi? Ah, je sais pas, après je connais pas, tu vois, les ramadans, je sais qu'on est pendant le ramadan, tu vois. Mais si on Mais dit c'est un franchement, moi jour. je changerais pas par rapport à d'autres religions, tu vois. Oui, tu peux être consciente que ça se passe en ce moment-là et leur souhaiter un bon mois et tout, c'est cool. Tu vas pas avoir des restrictions sur ton stream par rapport à ça, Y en a qui demandent genre. c'est quoi le but du ramadan, explique-nous. Et les potes, c'est pas un cours de religion islamique ici. En vrai, Surtout que c'est. moi je suis pas le mec qui. En fait, moi je suis pas quelqu'un qui va accepter quelque chose et le faire parce qu'il faut le faire, tu vois. Ouais. J'ai toujours besoin de me renseigner et de le faire pour moi. Du coup, bah, mes raisons de pourquoi je fais le ramadan, bah, en grosse partie, la plus grosse partie, c'est parce que bah, les musulmans t'acceptent certaines règles qui font que toi, t'es un être humain et que tu respectes les lois que Dieu t'a données et tout ça. Donc, t'acceptes que t'es inférieur à Dieu, quoi, en gros. Ça, c'est le plus gros, en gros, de toutes les personnes qui suivent les religions. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? C'est une sorte de t'acceptes que t'es soumis par rapport à certains actes, quoi, tu vois. Faire la prière 5 fois par jour. Ouais. Voilà. C'est des trucs qui vont pas t'apporter quelque Tu fais chose la prière toi directement, 5 fois par jour? mais c'est compliqué, ouais. Tout le monde essaye, c'est très compliqué. Mais la partie que tu dois dire aux gens quand ils te demandent pourquoi est-ce que tu fais Ramadan, c'est que c'est juste bon pour toi, quoi, c'est tout. T'as beaucoup de gens athées On m'a dit c'est pour être la qui meilleure sont version de jeunes. toi-même. En gros, ça c'est. Ouais, ça c'est. En gros, si tu suis les règles pour être la personne la plus saine que tu puisses être, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je connais pas. En vrai, moi je suis athée donc tu sais, je fais rien de tout ça moi. Mais j'ai des potes athées et je connais pas mal de gens qui jeûnent de temps en temps parce que c'est juste bon pour toi en fait. Le jeûne hors religion, tu vois, parce qu'il y a le jeûne dans le christianisme, dans le judaïsme, dans ce que tu veux. Le jeûne, c'est quelque chose de bon pour la santé en fait. C'est quelque chose de bon pour toi. Tu fais une sorte de vidange de tous tes organes et tu nettoies ton corps en fait quand tu manges pas. Et ça m'arrive très souvent en mode de jeûner. Hein. On me rend même pas compte en fait. Et Genre, après, jeûner tu sais et qu'une bien fois j'ai manger pas ne sort mangé pas. pendant un jour et demi sans m'en rendre compte. Ouais. Et à un moment je me dis, putain, c'est vrai que j'ai faim, mais j'ai mangé quand? Et j'ai réalisé que j'avais pas mangé depuis un jour et demi. Par contre, faut pas abuser. Hein. Ouais, Quand je tu te bats, sais. faut pas aller trop loin. C'était Oh! vraiment pas voulu pour le coup. Là, tu rentres les deux. Non. Ils sont rentrés dans la poubelle ou pas? Je sais même pas s'ils sont sur ma droite ou sur ma gauche. En fait, tu sais que je suis trop nul au snipe là sur Fortnite parce que les jeux auxquels je joue maintenant c'est totalement différent. Surtout Warzone, niveau bullet drop ça a rien à voir. Ah, gauche, à gauche. Oh, oh ouais, toi tu t'aimes trop le risque. L'autre est en train de me rush, j'ai tué Là, son il peut te pote. casser en 2-2. Mon but principal dans la vie c'est de finir son pote.
On les mini. Je m'en vais de mon snipe, s'il te plaît. S'il te plaît! Holy shit! Heureusement qu'il était du père, hein. Oui! J'étais tellement mort. De ouf. Donc voilà, en gros c'est quelque chose qu'on te dit de faire, que des gens font parce qu'on leur dit de le faire. Mais quand tu te renseignes dessus, t'es en mode ah bah en fait c'est bon pour toi. Donc, en vrai, je crois que les chrétiens, eux, je crois qu'ils font leur jeûne là ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Pour les pauvres, genre. Oui, bah en vrai, c'est un tout. Et c'est pareil pour nous, c'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour tout le monde. C'est... Mais un peu dans les conditions des personnes qui sont plus. Démunies. En galère que toi, plus démunies, pour justement être plus sensibilisées, quoi. Et que quand après, tu vas avoir un pop-up. Dans ce pays-là, ils ont rien à manger, ils sont en train de mourir de faim, mais tu vas te faire ah ouais, j'avoue que moi je tiens même pas 20 heures. Il y en a là-bas qui meurent de faim. Ça sensibilise, et puis t'as un truc qui s'appelle la zakat aussi, où tu donnes. Mais en vrai, c'est bien. Moi, à quoi ça me sert dans ma vie, c'est. T'as une coupure d'un mois en fait, pendant laquelle je me remets en question, tu vois. Ouais. Chaque année. Et une fois, je me suis dit, j'étais en plein ramadan, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je ferais si j'avais pas cette coupure au moins une fois par an? Parce que tu vois, par exemple, fumer, des trucs comme ça. Tu le fais, mais tu réalises pas trop que. T'as le droit de fumer pendant le ramadan? Bah, pas pendant la journée, tu dois éviter en fait. Tout le mois, tu dois éviter. Mais en fait, tu dois arrêter pendant un mois normalement. Quoi. Mais vu que c'est l'addiction, bah les gens fument le soir quoi, quand ils peuvent manger, tu vois. Ouais. Et du coup, moi j'ai vu Ramadan arriver, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, le Ramadan arrive, on va faire un effort, on va arrêter, tu vois. Donc, ça c'est que positif en fait. Mais. Oh, il a la scar mythique, quoi, il va juste spam. T'es que. Faire manger 4B. J'ai 4B. Un arbre, tu t'es fait niquer. Ouais. Maxime, lâche-toi, reste dans ton truc, hein. Attendant qu'ils arrivent. Oh, bah peut-être pas en fait. Ah, l'autre il s'est cassé. Nice. Oh, c'est gavé avec son grappin. Ouais, du coup moi je suis en 2v1 contre les mecs qui Maxime. Enfin, en 1v2 du coup. Oh, tu peux aller là. Ça cache ici ou pas? Je pense. Je suis un enfant de 10 ans, c'est très grave. Il y avait pas un space derrière, j'avais l'impression d'avoir un space. Oh. Le stuff de con vrai. C'est des Français, hein. Ah bah y'a un mec qui arrive, contact à moi. Il est dans le bush ou pas? Cible un blé, des gens... Non. Ah non, c'est bon. Oh le bon snipe. Il est sans HP. Prends-le, je distribue les balles. Hein. Je veux. Qui veut une balle de snipe? J'avoue que ces balles-là, en plus, elles sont dures à mettre sur Warzone. Vraiment. Oh non. Oh, quand je les rate. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je suis une grosse merde. Oh non, je suis nul. Comment je peux mettre des balles de l'autre côté de la map à chaque fois, mais... Oui, tu l'as vu, lui. Putain, j'ai envie de l'in. Je n'ai aucun respect pour ces gens. L'autre, hein, tu l'autre. Bon, c'est la détente là un peu. Hein. Ouais, pas cool ça. Ah, mais c'est une autre équipe ça? Quoi?
Casse ton pad, casse ton pad. Et il a un seum en fait. Où est-ce qu'il est? Bon. Prends le build aussi. Oh, merci Lido, merci beaucoup. Ok, on va passer de l'autre côté, je crois. S'en fout, hein, ils t'auraient pas capté. Ah si, là, oui. Ouais. Oh là là. Le snipe. Bon, en temps normal, là, c'est pris au rotage, je laisse avancer et puis je tire. Oh pas tiré. Oh, pas comme ça. J'ai même pas fait ça. Je suis une honte. Mais c'est pas grave, ils ont l'air perdus, ils vont pas me. Normalement, ils vont pas me faire chier. Oh mon dieu, comment j'ai envie d'y aller. Oh. Il a même pas quelqu'un de son pote, t'as vu? Prendrait réaction. Ça, j'aime trop faire par contre. Loïc de ville 007. Quoi? Ok, ils ont space 12 et barrette, c'est ça? T'as pas de. C'est fait sniper. Oh la luck que j'ai. Voilà, incroyable ma luck depuis tout à l'heure. Alors, donne-moi ça toi. On va pas jouer dans l'enquête, on est pas cancer. J'espère qu'il allait venir là. Tire sur les gens. Ah ok, qu'est-ce qu'ils ont ça, okay. T'arrives pas à tirer ou quoi? Non. Je sais pas pourquoi je tire pas. Là j'étais en mode je vais attendre d'être bien l'avant en visio alors qu'il aurait pu tirer mais... Il est mort lui. Même pas. Il est mort de chute. Ça j'ai pas besoin. S'il te plaît, je vais m'HP. Merci. Alors toi. Il est rentré dedans, wesh. Ouais, il s'en bat les couilles, mec. Oh, t'avais pris une balle à blanc là? Et où est-ce qu'on va? On va aller là. Oh les gars! Oh non, c'est le pire joueur en face! Vraiment. Et le pire. Alors, y a pas de pire. Ça se passe 12 en or là dedans si tu veux. Bon, tant qu'on y est. Tu prends tout. Tant qu'on y est, franchement. Je suis jamais fait mecs, autant carry. Je pense que j'avais pas vu qu'il y avait deux mecs encore. Ah, j'avais pas compris qu'ils étaient ensemble. My bads. Ouais. Ils avaient le même skin, c'est chiant. Je crois qu'ils se mettent dans une box chacun. Là, quelle erreur. J'espère que tu la règles cette game, hein.
Non, mais c'est pas grave. J'avoue que mon monteur, tous les jours il me dit faut que tu fasses du Fortnite, on a plus de contenu. Là on peut plus que je sois sur Valorant et là je suis sur Fortnite quand je suis pas en stream quoi. Bien. Eh bien GG hein. Merci pour le top. Avec plaisir.